Salut tout le monde, c'est Solk qui se retrouve pour une vidéo avec Nasustop. Je vous avais promis une vidéo en ranked avec Nasustop. Et là je suis en duo avec Absolve qui est au mid, il joue Leblanc. Salut. Je veux dire salut Philippe. Et donc je suis contre un Jace. Alors que Nasus Max A contre Jace. Ah non, je suis pas contre Jace. Oh, oh non, je suis contre Riven. Merde, oh, non. Oh les trois. Ah, j'en ai raté un. Ah, mais Riven c'est bien aussi. Donc Nasus Max A, c'est le nouveau Nasus un peu à la mode. Putain, oh, j'ai raté ce script. Parce qu'en fait, ça marche super bien. J'ai calculé un peu mon winrate depuis que j'ai commencé à le jouer, et là, je suis à 70% de winrate avec. Si vous allez voir sur le skill, ça sera pas... Ah non, faut que je fasse gaffe en early. Oh, oh putain, elle m'a mis trop cher, mec. Oh, heureusement qu'il joue pas Ignite, j'étais mort sinon. Hop. Donc faut faire quand même très attention en early, mais à partir du niveau 7, c'est vraiment terrible. Du coup, faut jouer assez safe en early, poke un peu avec le E. Oh, bien joué, mec. Faire attention à son mana. Et donc, ça sera un first back avec double anneau de rang. Et des bots si on a la thune. Ah non, je vais rater le gros. Je l'ai raté. Fais chier. Donc, au niveau 3, donc, on start au E. On peut starter au Q selon le match-up. Au niveau 3. On prend direct un deuxième point dans le E, histoire de mettre des belles patates. Bon, on l'aura jamais, Xin. Jamais on l'aura. Ah, mais il sait pas que j'ai mis un deuxième point dans le E, c'est pour ça. Là, je suis un boulet, je vais enlever la musique du jeu. Hop. Vu que j'ai la musique en fond. Là par contre, Riven, tu fais un peu la maline. Hein. Ouh, elle commence à prendre cher. Ça commence à taper là. Du coup, avec les popos de corruption, je suis bien full vie là. Ah, j'aurais pas le cooldown pour la console. Je suis désolé pour le farming. Du coup, vu que je parle, je suis pas très concentré sur le. Voilà, tiens. Ok, Xin, il vient en. Il vient en lane gank. J'ai plus beaucoup de mana, je vais juste me le mettre en slow. Je pense qu'elle va m'engage. Mais elle a peur. J'avais pas de mana, putain. C'est chaud sans mana. Hop. Faut que je back. Ah putain, mais j'ai pas les. Donc pour l'instant, on est tranquille. Mais quand même, grâce au Xin, on respire un peu. Ça peut être assez chiant, Riven, en early. Tu t'en sors au mid, quoi. Tranquille, tranquille, comme d'hab. Ah là, elle m'engage. Oh là, ah, je vais prendre cher. Ah, je vais ghost, parce que sinon, je suis mort. Oh, le vieux flash. Oh, le vieux flash. Oh, les connes. Oh, il est trop con! Oh, il est trop con! Lui, il a plus de mana, il faudrait que je le tue, mais le problème, c'est qu'il est orange. Oh, tellement parfait ça! Du coup, je slack un ghost, mais je me mets bien! Ok, là, normalement, elle est finie là. Elle a plus rien pour faire de la game. Elle a pas de TP. Moi, je vais garder ma TP pour le bot. Ah non, elle est morte. Ok, elle a flash à combien? À 4,20 je pense. Ça c'est pas mal aussi de... C'est pas mal aussi de mettre le timer du flash dans le chat. Il a flash ou pas, Philippe? Faut que tu notes. Là, elle est pas bien là, elle est pas bien. Je l'aurai pas. Oh, je l'ai eu. Trop beau. Vas-y, je t'envoie une fake Leblanc au top pour voir si elle peut pas être fun. Elle a pas de flash à claquer, de toute façon, ça sert à rien, mec. Ouais, même, mais genre, si t'arrives à le faire au moment où elle m'engage, elle va flipper. Ah là, genre maintenant. Ouais, genre maintenant. Ah non, mais elle a trop de... Elle a pas de cooldown, c'est un truc de malade. Genre, vas-y, on va créer un champion qui peut se mettre un bouclier toutes les 3 secondes.
Et qui peut dash toutes les 2 secondes. Ah, j'aurais pas dû ulti. J'aurais pas dû ulti. C'était de la merde. Oh, ça c'est à moi. Tasmin, fais gaffe, mec. Ouais, tranquille, j'ai la vision. Ouais, Ah, c'est elle vient ça. sur moi, elle vient sur moi. Voilà, c'est ce que je Ah, voulais il est dire, là. ça. What the fuck, mec, elle a ses creeps ici et elle me rush jusque-là, mec. T'es la seule personne gankable, la botte elle est pas en ligne. Ouais, mais j'avais la vision de toute façon. Creep, Voilà. hein. Vraiment bien, moi, pour eux. Par contre, je pourrais tuer un autre creep. Hein. Ok, là je suis 7, là je suis très très bien là. Elle prend des... Oh, les patates qu'elle prend à partir du niveau 7, c'est insane, mec. J'ai encore mes 3 popos de corruption, elle est mid-life. Genre, et là, si je jouais Nasus Max Q, je serais genre trop dans le mal, je pourrais rien faire. Et là, non, ça permet de dominer des lanes que normalement on se fait défoncer. Genre, typiquement, les Jayce, je les défonce en général. Surtout les squishy comme ça, très aggro. Parce qu'on peut. On peut. Comment on dit? Ah non, je vais prendre cette wave en fait. Genre, il y a Evelynn. En plus, on est assez safe du jungler parce qu'on lui met des belles patates aussi. On va grid sur cette wave. J'aurais pu le tuer, j'ai fait mon combo, GG. Hop! Et là, on peut back alors que la wave suivante, elle est encore ici. Donc on se prend des free back sans TP, on peut garder sa TP pour roam au bot, par exemple. Hop, on va les prévenir. Là, je prends ma Shin. Du coup, on commence à mettre des belles patates. Et c'est à partir du moment où on a la Shin... Putain, il va crever sur les corbeaux, quoi. C'est à partir du moment où on a la Shin qu'on peut mettre... On peut vraiment niquer le mec en face. Et avec la Trinité, je vous explique même pas. Ah, par contre, s'il push encore là au bot, je vais mettre... Ok, je TP, je TP. Je TP, je TP, je TP. Oh lol! Non, non, justement pas, je pensais qu'elle était morte en fait. Elle est stackée! Elle s'est stackée! Ouais, je suis full vie, mec, en fait. Ah, super, Jace, nice boule. Ouais, je vais B, mec. Hein. Je vais push ça quand même. Bon, je respecte pas trop l'ADC, mais. Bah parce qu'il veut prendre des kills, mec. Ouais, mais c'est pas worth au milieu de faire ça. Si t'as trop en retard en forme, faut pas room, mec. Tu vas te mettre encore plus en retard. Ah, mais, ah mais le Xin est au top en fait, j'avais pas vu. Regarde, regarde, voilà. Du coup, je peux gratter la tour du bot. Trop worth ton room. Oh, super Blitzcrank tout ça. Oh non, non, non là, c'est pas bon ça. Ah, j'adore quand elle restart son jump. Je suis mort. Oh! Oh non, je suis pas mort! La Jinx, c'est bien mid juste pour Oh non, je meurs avec la boule! Oh non! Sale! Putain, Jinx, c'est une handicapée, putain! J'ai chié là, je suis resté beaucoup trop longtemps, c'est my bad. On va prendre ça pour la move speed et les bots. Maintenant, faut rush la move speed. Donc on va start au ZZ Rot et à la Trinité. Et ça va être vraiment terrible pour prendre les tours. Et là vous voyez j'ai une domination de lane vraiment hardcore. Bon j'ai mis une super TP aussi, ça aide. Par contre j'ai overstay quoi. Bah là je suis trop feed, elle est vraiment dans la merde. Arrête de t'exciter dans le chat mec. Et ça m'énerve, la meuf elle vient au mid, ils m'ont volé le farm du first blood de tour. Je comprends pas pourquoi ils font ça. De quoi la Jinx? Mais oui, elle vient au mid pour mettre un coup sur la tour Mais elle est pour morte? voler mon first blood de tour. Bah non, mais elle m'a pris les Pas coups de mon alors. first blood de tour. Mais mec, c'est pas grave, c'est un ADC, ça va. C'est un ADC, c'est une sous-classe justement, mec. Il devrait même pas avoir le droit du chat. Ouais, mais bon, voilà, c'est normal qu'elle veuille un peu de farm, quoi. Un peu de J'en ai gold. rien à foutre, moi, de sa vie. Je sais bien, je sais bien. T'as un Mais ADC c'est qui vient de compréhensible, c'est carry. tout.
Par contre, je vais pas la laisser enlever ma ward là. Elle est SS au top. Ok, là, l'objectif, ça va être juste de full poche. On va essayer de deny. Ok. Du coup, elle va être tout le temps sous tour. Elle pourra pas du tout m'agresser. Et je vais pouvoir la poke. Là, comme ça, hop. Voilà, ça c'est fait. En général, les bonnes Riven et le bouclier, mon E. Là, elle le fait pas. Elle est en 1-3. Elle est carrément dans la merde. Je vais aller mettre un de ses gants sur la... Ah, oh merde, j'ai raté script. J'aurais pas dû mettre une auto maintenant. Bah la game elle est en train de se faire pendant que t'es tranquille ou pas. Ah non, je vais la défoncer, mec. Allez, salut! Et même si on a pas stacké le Q, vous voyez, on met quand même des patates avec le Q, parce que simplement on a de l'avance de niveau de farm. Et la Chine. Et à 12 minutes, genre, on a pris toutes les tours. Ah, par contre, lui, il va me faire mal, lui. Ah, j'ai plus d'ulti, là. Mais vu qu'on a le truc du ZZ, on peut courir assez vite. Nice! Il est trop bien, cet item du ZZ, mec. Le Raptor Cloak, là. Ça fait 20% de move speed, c'est terrible. En fait, je peux même rester, là. Je suis pas en danger. Ah, bien joué, mec. Hop, on peut back. Et sur ça, j'ai le ZZ Rot. Je vais faire cette wave aussi, aller en grid un peu. Hop. Maintenant, back. Elle est SS. Ah, elle est au bot. Elle est bad. Ah putain, tu l'as one shot. C'est normal. Ah, ce qui est bien aussi avec Nasus Max A, c'est que quand on se fait gank par le jungler, souvent il crève quoi. Bah, le but de Nasus Max A, c'est justement d'attirer toute l'attention du jungler sur toi. Et... Ouais, puis en plus, si c'est des junglers squishy, tu les dépop, mec. Ouais. Trop bien. Bon, là, c'est un bon stomp, c'est pas vraiment très représentatif, mais. Ah merde. Ah, c'est pas bon ça. Ah mec, t'es mort une fois, ça c'est ton S+ qui tombe, mec. Je vais mettre le ZZ au mid et je vais repush au top. T'attendais pas à ce qu'il soit les 3 sur ma gueule comme ça au bot. Genre, il arrête d'être arrivé au bot. Hein, ouais, je sais, mais ça fait longtemps hein, qu'il est au bot. Tu l'as pas vu avant? Non. De toute façon, c'est free win, mec. Ouais, je peux la Tristana, mais j'ai un peu des doutes. Ah non, on l'aura pas. Elle veut quoi, mec? J'envoie une fake le blanc sur la jungle pour donner la vision au cas où. Ah, ça donne la vision ton truc? Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Genre pour check les barons, c'est cool. Nice. Et du coup, vous voyez, on a que 110 stacks à 15 minutes. Mais c'est pas grave, c'est pas le but en fait. Le but c'est vraiment de plier les games. Et ouais, il y aura des games, ça ira au late, ça sera un peu la merde, mais 60% du temps, on arrivera à finir la game avant 30 minutes. On aura plus la dive là, j'ai pas eu les couilles. Ouais, il est un peu ballsy lui. C'est un très mauvais ulti. Jinx, tu fais quoi? What? Elle meurt. C'est trop stupide ce qu'elle a fait. Ah non, c'était... J'avais pas assez de vie. J'avais pas de... C'était stupide ce qu'on a fait. C'était vraiment stupide. J'avais pas assez de vie pour faire ça. En plus, je suis pas assez tanky encore. Ah, tu dépoches la botte? Du coup, au mid, ça tombe avec mon ZZ ou pas?
y a des chances, mais... Ah, il dépoche ce bâtard. Et je pense que je vais mettre une TP au top pour l'empêcher de prendre la tour là. Sinon elle va push jusqu'à la tour. Alors tu sais quoi, je vais TP sur ma control ward mec, elle va pas comprendre. J'espère elle push la tour. Oh yes, elle push la tour mec, oh elle est tellement morte. Ok, y a une Riven qui se balade dans la jungle. Ah mais il a du backup. Il a du backup, je peux rien faire. J'ai un bon gros push au bot là. Elle est bien cette musique. J'ai pas de cooldown encore. Enfin les crocs aussi c'est cool quand on est au top. Je vais mettre un ZZ au top et je décale au mid, d'accord? Ça, c'est ce que ZZ il permet de faire super bien. On met un ZZ, ça poche tout seul et on peut aller aider la team. Et du coup, si on gagne les teamfights, on a la wave qui se retrouve déjà ici toute seule. Et on peut facilement aller récupérer des objectifs. Par contre, je suis pas sûr qu'on doit fight ça. Hein. Mais je suis là. Hein. Mais ouais, mais non, il manque Jinx. On peut pas faire ça. Ah non mais je suis con. C'est bon, c'est bon. Mec, si je m'en sors. Waouh, putain. Ils sont tellement low. Putain, c'est GG ça. On les a trop de play mec. Du coup, la Jinx, elle a pu prendre au bot, mec. En plus, c'est vraiment un sale poche qu'elle faisait. Hein. Ça se concrétise juste bien parce qu'on a défoncé la mid. Mec, on a legit 3v5, là. Ouais. T'as genre tellement de dégâts. C'est monstrueux, mec. Juste incroyable. Là, par contre, il me manque... Laisse-moi le faire mon mid, s'il te plaît. Il me manque juste 100. Non, tu veux pas? Viens avec moi. Ah non, on n'a pas le temps de faire le Herald là. Non, par contre, on peut cacher la Riven, j'ai besoin du kill pour la BJ. 30 secondes, c'est chaud. T'es sûr? Ouais, bien sûr. Ok, go la catch, mais il faut vraiment ma trinité en fait. Passe par le haut. Ouais, je sais, bah t'inquiète. Ah, elle part pas là. Eh merde, putain. Ah, j'ai chié. Bah, t'as une assist pour le Medjay. Ouais, en même temps, elle a eu du backup, on savait pas, mec. Hein. On pouvait pas savoir. Ouais, j'ai pas joué, pas ça. Pourquoi ma chaîne. Ouais, elle aurait pas dû toucher en fait, elle aurait pas dû toucher. Ma chaîne, j'essaie de prévoir son dash. Hop. Allez, je bais sur ça. Mon ZZ push tout seul. Oui, ça rapporte pas mal de god le ZZ, hein. Là j'ai un sale farm cette game, j'étais pas concentré vu que je parlais en même temps. Du coup prendre ça aussi, histoire d'avoir le max de CDR. Ah j'ai pas parlé des runes et des masteries. Donc en runes il faut prendre 10% de CDR flat, avec une quintessence CDR. Le reste des CDR en... C'est comment ça, c'est quoi les bleus, c'est les glyphes. Parce que ça donne pour effet, enfin, la vie. En marque il faut de l'AD, de quintessence d'armor. Et de la vie par level en... En jaune, il me semble. Ouais, il devrait FF, là. Je vais mettre mon ZZ ici. Pour nous aider à poche. Et là, on va voir qu'avec la trinité, je mets comme des belles patates à la tour. Riven qui essaie de nous... Bah oui, Blitz. recule, bro, j'ai fait le tour. Je suis plus là. T'inquiète pas. J'ai été chercher le farm au top. Je vais voir de la jungle. Au cas où ils viennent sur moi. Voilà, ça c'est fait. Ils ont détruit mon ZZ, ouais putain.
Et je pensais pas qu'ils allaient débarquer à 5 comme ça, mec. En mastery, il faut le Storm Raider, la mastery, on fait le baron. Ça me paraît un sale call, mec. Hein. C'est un sale call, mais. Moi je peux les backups. On est vu. Ouais, continue. Mais je crois qu'on a le temps, Oui, ouais, on a le temps. Mec, j'ai failli l'avoir avec mon stack, quoi. Ouais, mais là c'est plié, là, c'est gagné. Facile. Du coup, il faut start à la popo de corruption. Lui, il est mort. Bah oui. Mais oui, c'est ça, mais. Désolé, j'ai tout pris. Triple kill! Une bonne petite game. Donc je disais, ouais, en early, on start à la popo de corruption. On fait un bac au moins à 800 pour les deux anneaux de rang, si possible. Ensuite, on peut TP ou pas, ça dépend de la lane. Après, on max le E, et à partir du niveau 7, on est godlike. Non, les dégâts, c'est de la merde. Voilà pour cette petite game. Et c'est stacké, ce Nexus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, poser des questions. Et on se revoit pour la prochaine. Je pense que je referai une Nasus Max E. Et bien joué, Philippe. Merci, mec. Bien joué à toi aussi.